Janice, tu fais quoi là? Quoi? Tu t'es cru à la plage ou quoi là? Tu fais quoi? Quoi? Quelle plage? J'écoute de la musique, j'écoute l'album, pourquoi? Janice, l'heure est tourne là, on est dans l'émission, l'acoustique là, tu... Mais je sais, c'est la première de l'année, mars 2015, tu crois que je le sais pas peut-être? Il est 18h, les groupes ils sont toujours en retard, canne et canne, t'imagines là? Non, attends, je t'explique là, Vas-y, explique-moi Marvin. T'es même pas douchée, t'es même pas maquillée là, s'il te plaît, Janice. Je suis pendant qu'il y a... Non, mais les groupes ils sont là, on attend plus que toi là. Attends, S7JK, Tribu Pombée, Easy, à 18h. Je te dis que les voitures elles sont garées, les instruments ils sont montés, on attend plus que toi là. Marcus Gad, le deuxième groupe, genre Rastabigoud, il est là? Tout le monde, celui qui a les locks un peu comme toi là, il est là aussi là. Tout le monde est là. Donc s'il te plaît, tu prends tes CD et tu vas te doucher. J'y crois pas. Attends, t'imagines, S7JK. Et il y a quelques mois, c'était les groupes du Nord. C'est les seuls groupes qui finalement sont à l'heure. Oui, c'est bon, tout le monde est là. Et moi, chaque fois, je me fais plomber. Bon, oui, bah, d'accord, okay, mais à la bûche. Okay. Laisse les choses à l'ordre. Reviens à la réalité.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de l'acoustique, la première de cette belle année 2015 et pas des moindres. Les parrains donc de cette année, j'ai nommé le groupe A7JK que vous pouvez applaudir encore une fois. Jean-Yves, installation canapé, on va passer un petit moment tous les deux avec notre public ici présent. Merci d'ailleurs d'être là et les téléspectateurs d'NC Première qui nous regardent ce samedi soir. Comment ça va ? Ça va. Ça a l'air. Yes. On voit que les plateaux télé, c'est une habitude. Jean-Yves, tu nous as fait l'extrême plaisir, voire même honneur, d'accepter l'invitation. Merci beaucoup. A7JK veut dire Association des 7 jeunes Kanaks, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Sauf qu'aujourd'hui, on est en formation acoustique. Tu n'as pas eu besoin de tes 7 musiciens. On va quand même leur rendre hommage. Est-ce que tu peux nous présenter ceux qui sont sur scène et puis nous parler de ceux qui ne sont pas là, s'il te plaît ? Ceux qui sont sur scène là aujourd'hui, y a Yannick qui est là-bas au synthé. Vous pouvez l'applaudir en même temps. Vers la basse, c'est Jean-Christophe. Bassman. Bass, ouais. Yes. Puis sinon, au percu ici, c'est Albert. Et ça, c'est le batteur. C'est le batteur. Ouais. Toi, Jean-Yves, le nom de famille, c'est pas WAP. Ouais. Tu joues avec tes frères. Ouais. C'est ça. Certains sont là ou ils sont tous restés ou il y a quelques frères là et d'autres là-haut. Il y a deux qui sont là. Deux qui des frères. Qui manque alors ? Quel instrument manque ? Quel instrumentiste ? Harmonica. Ouais. Pièce essentielle quand même, hein, des morceaux. L'harmoniciste est pas là et puis. Et puis le deuxième clavier. Et le deuxième clavier. Ouais. Voilà, puisque A7JK, quand ils sont en live sur scène pour de vrai, en concert ou en festival, il y a deux claviers. Ouais. Et des festivals, des concerts, des kermesses, des animations. On peut dire que l'année 2014 a été menée sur des charbons ardents. Cet album est sorti donc Diapason, hein, c'est le morceau que vous venez de chanter, c'est le titre éponyme, est sorti fin d'année dernière, c'est ça, dernier trimestre ? Ouais, voilà, c'est ça. Et depuis, c'est le succès total. On entend ça dans les voitures, on entend ça dans les animations, on entend ça sur la place des Cocotiers pour nous qui vivons à Nouméa. Et même quand on pose des questions aux vieux, ils nous disent « mais ouh, on entend ça chez les jeunes partout ». Est-ce que tu peux nous expliquer, Jean-Yves, pourquoi ou comment toi tu t'es expliqué ce succès énorme de cet album, de votre groupe et comment ça se fait que les gens vous suivent autant ? Je sais pas trop. Aucune idée ? Ouais, aucune idée. Ouais. Tu sais pas ? Je sais pas. Tu sais pas ce qui fait la différence. En soi, un album, c'est comme tout le monde, il le faisait. En soi, un album, voilà, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Quoi. Voilà, sans savoir que ça allait donner cet effet-là. Ouais. Là, on joue, on est presque dans l'intimité, si ce n'est les téléspectateurs qui nous regardent. Mais d'habitude, tu joues devant des centaines, voire des milliers de personnes, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Alors que c'était le cas avant ou c'est depuis cet album ? Même avant. Même avant ? Oui, surtout en province nord. Ouais. Même avant, c'était comme ça le public. D'accord. Alors pour situer un peu d'où vous venez, pour ceux qui ne vous connaissent pas beaucoup, A7JK, c'est tribu de Pombé. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de l'air ? Est-ce que tu peux nous parler de l'endroit exact sur la grande terre où tu te trouves, où vous vous trouvez ? Pombé, c'est la transversale. Quand vous passez la Konetiwaka. Voilà. C'est juste là au bord, là où vous voyez les maisons, c'est une seule tribu où on voit des maisons. Quoi. C'est ça. Sur le bord des routes. Une bonne vingtaine, trentaine de kilomètres de tout haut. Ouais. On voit sur la carte, là. Ok. Et donc vous chantez en langue
Kimuki, oui. Voilà, parce que vous venez de là-bas. Ah. Justement, on parle des airs et c'est pas pour rien. C'est aussi le titre phare de cet album. Là, on a chanté Diapason. Ah. Vous avez chanté Diapason. Et le titre Air du pays, qui est le titre numéro 1, est celui qui a été clippé, comme on dit. Et c'est surtout celui qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup à la radio et qui fait que maintenant, on identifie tout de suite à cette JK avec le morceau Air du pays. Alors, avant de regarder un petit morceau du clip et puis de vous entendre le chanter, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce morceau t'est venu? Je crois que c'est le dernier morceau que j'ai essayé de le faire. De cet album? Oui, je crois que c'est un morceau qui est sorti après. D'accord. Ouais. En parlant des airs du pays, ben, je pensais qu'il faut mieux chanter pour ça, parce qu'il y a des gens qui arrivent de l'extérieur. Ben, ils ne seraient pas au moins... C'est des airs. Il y a des airs ici au pays. Quoi. Ben, il faut leur expliquer qu'il y a les airs comme Pachi, Chamouki ou... Ouais. D'accord. Il y a les airs du, ben, comme les îles. Est-ce que c'est un titre joyeux ou est-ce que c'est un titre mélancolique pour toi? Je crois plutôt joyeux. Plutôt joyeux? Ok, tu nous permets de voir quelques secondes du clip? Ok. C'est parti. Le clip Air du pays, réalisé par Terence Chevrin et produit par l'usine Mangrove, au sens noble du terme. C'est parti. Ce sont les heures de mon pays. Okyanakio. Tu vas rouler. Wauna. Wamuro. Okyana. Premier peuple de mon histoire. Dire ce très très beau clip, très mystique comme ta voix, Jean-Yves, c'est certain, c'est complètement mystique. Si vous voulez le voir, vous vous connectez sur YouTube. Mangrove a mis ce clip en ligne ou alors sur la page FB, évidemment, de l'acoustique. Alors là, c'est un peu comme un apéro mal fini. On a envie de boire un peu plus ou on a envie d'en goûter un peu plus. Est-ce que tu me permets de te renvoyer sur scène pour interpréter ce morceau en acoustique, Air du pays? C'est d'accord? Oh, trop bien! Air du pays, Jean-Yves, applaudissez-le bien fort. En acoustique, rien que pour vous, on est super contents. Yeah.
Interprété par SCJK sur le plateau de l'acoustique. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre à la télévision. Tu peux me rejoindre sur le canapé, s'il te plaît. Nous allons continuer l'émission. Applaudissez bien fort, s'il vous plaît. Air du pays à la télé en live, c'est pas non plus tous les jours. Le clip Air du pays, Jean-Yves, est-ce que c'est une envie de toi? Tiens, j'ai envie de clipper ce morceau. Ou est-ce que c'est plutôt Alain Lecomte de Mangrove qui distribue ton album et qui t'a produit l'album, qui t'a dit « Hey, tu devrais clipper ça ». Ouais, je crois que c'est lui. Ouais. C'est lui qui t'a proposé ça? Ouais. Il n'y avait pas de problème pour toi? Tu voulais bien? Non, c'est bon. Ouais. Ok. Donc on t'a proposé un réalisateur qui s'appelle Terence Chevrin. C'est ça? Que tu ne connaissais pas? Non, pas trop du tout. Pas trop. Maintenant, tu le connais bien? Ouais. T'es content de ce choix-là? Ouais. Ok, on va faire connaissance avec Terence Chevrin. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir et d'accueillir notre invité alternatif aujourd'hui. Il s'agit du réalisateur Terence Chevrin. C'est parti. Avec du bon métal derrière. Alors tu sais quoi, je vais t'embêter Terence, je vais te demander de prendre le fauteuil là, en face de moi. Comme le papa quand on est à table un peu, tu sais, au bout. Est-ce que ça va bien Terence? Ça va, merci. Bon, merci d'être là. Les gens qui nous regardent, vous allez voir des photos diffusées pendant l'interview et vous allez peut-être vite replacer Terence Chevrin dans vos connaissances artistiques et musicales. Terence, tu as réalisé, entre autres, le clip de Boigan, Retour aux sources, qui a fait un carton. Boigan, qui est d'ailleurs le prix export via les Flèches de la Musique 2014, donc c'est pas n'importe quoi. Tu es aussi celui qui a réalisé ce fameux long métrage calédonien qui s'appelle NI28, que vous avez certainement vu à la télé ou encore au cinéma, et qui raconte l'histoire d'une Calédonie complètement retournée, cause virus, cause gros problème entre humains, cause plein de choses, et qui est quand même un énorme succès. Pour reparler d'NI28, vite fait, avant de faire la corrélation avec SCJK. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, mars 2015, NI28 est primé où et comment, Terence? Ah, primé... On voit les images derrière. J'ai eu la foi, forcément. Et ouais. Ensuite, j'ai même pas retenu, je sais plus, Miami... Toronto. Miami, Toronto, un truc dans... Tu sais pas. On a eu 7. T'as oublié. Ouais, normal. C'est pas... Non, c'est après, pas on très, se demande pourquoi très, vous oubliez nos numéros de téléphone, nous les filles. Évidemment. Pas très important dans le sens où ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. Bon là, c'est bon là, on l'a fait en 2011. Du coup, ça commence à dater, donc on a hâte de faire les autres vu qu'il s'agit d'une trilogie en fait. C'est ça. Bon, en tout cas, au moins il y a les encouragements qui vont derrière et l'envie de continuer. J'ai c'est clair. Le ouais. Succès. Maintenant, la rencontre avec SCJK, certainement un coup de fil d'Alain Lecomte un jour. Et je me souviens même plus. Si, j'étais passé le voir au studio pour complètement autre chose et il m'avait dit tiens, regarde cet album, écoute-le. Dis-moi s'il y a une chanson qui te plaît. Et ben, celle qui me plaisait le plus. Ah, c'est toi qui as dit pourquoi pas Air du pays? Je crois bien, je sais plus. Il va peut-être, d'accord. Il va peut-être me redire le contraire quand je le reverrai. Mais... Comme quoi, t'as une bonne oreille. Hein. Ouais, non, mais le morceau est très bien. Du coup.
je fonctionne un peu comme ça au clip, c'est-à-dire si le morceau me plaît, je peux travailler, sinon je ne peux pas travailler. D'accord. Donc là, pour aller en résumé dans ta façon de penser, on te présente les musiciens, tu as la chanson en tête, tu vois le message de la chanson et tu te dis, je vais faire comment ? Je vais prendre un bébé au début du clip, ensuite je vais prendre les gars du morceau et puis je vais faire tourner les airs comme ça de Nouvelle-Calédonie au-dessus de la tête. Comment tu... C'est un peu plus compliqué parce que j'avais jamais vu Jean-Yves avant le tournage. D'accord. Parce que ben, la distance et tout ça, et comme le projet s'est monté un peu vite... pour être dans la sortie de l'album, rester dans cette promotion là. Alain m'a dit dépêche-toi, j'ai besoin d'un clip assez vite pour surfer sur le motif en Nouvelle-Calédonie. Dépêche-toi. Donc déjà la première chose c'est de voir combien on a comme budget et puis essayer de faire un clip qui correspond à peu près à ça. Moi je fais toujours des choses un peu trop compliquées à mon avis avec l'argent que j'ai, ce qui fait que avec mon équipe on travaille un peu trop longtemps. D'ailleurs Jean-Yves m'a demandé souvent alors quand est-ce qu'il sort mon clip, c'est juste que du coup j'en avais pour des semaines de boulot, voilà. Mais non, les choses se construisent à force d'écouter le morceau je pense. D'accord. Ok. Maintenant, toi qui es un activiste de l'industrie du clip en Nouvelle-Calédonie, là on est en 2015, j'ai pas envie de mentir aux téléspectateurs et puis j'ai pas envie de faire faux avec toi, tu sais, on marche pas trop comme ça. Tu m'as fait part en off, pas d'une déception, c'est pas le mot, mais d'une certaine fatigue quant à la réalisation des clips, je crois que t'es pas le seul à le penser. Pourquoi ? Est-ce qu'on est déjà fatigué en Nouvelle-Calédonie d'en avoir fait peut-être que trop peu ? Enfin, comment c'est... Non, je pense qu'il y a un truc général qui fait que clip de qualité ou de moins bonne qualité, il sera diffusé pareil et il générera autant de droits d'auteur. Ce qui fait que ben, les gens savent très bien que ça ne sert à rien de mettre trop d'argent dans un clip si la destinée... Voilà, dans le cadre de l'album et pour la Calédonie, etc. Mmh. Maintenant, moi, je pense qu'il faut voir plus loin et essayer de faire des choses pour l'international et faire des clips de qualité. Donc, on essaie toujours au mieux avec le budget qu'on a. Et je pense qu'il faudrait aussi que ça rentre dans l'esprit des gens que l'audiovisuel, ça coûte cher. Et les choses de qualité coûtent cher. Est-ce qu'au moins les clips sont diffusés comme vous le souhaitez ? Est-ce qu'au moins les droits d'auteur sont là par rapport au travail ? Ben, moi, je ne sais pas parce que les réalisateurs n'ont que 1/12 des droits de diffusion. Donc moi, c'est un truc sur lequel je compte pas du tout pour vivre d'ailleurs, mais c'est plutôt les compositeurs et tout ça qui ont le bénéfice de ce truc-là, alors que le clip est quand même un produit à part entière. Hein. C'est pas qu'une illustration de morceaux, ça appuie et puis ça sert vraiment les groupes aujourd'hui. Donc je pense que ouais, ce petit 1/12 est un peu injuste, mais... D'accord. Voilà. Que Jaja Enko vous entende. C'est ça. Merci beaucoup Terence d'avoir répondu à ces questions. Merci d'avoir été l'invité alternatif. Tu vois, je t'avais dit j'allais pas trop te cuisiner, horrible. Par contre, je te demande de bien vouloir rester assis. Les téléspectateurs aiment beaucoup ce moment-là, nous aussi. Et puis toi, Jean-Yves, tu vas certainement aimer. Je vous propose tout de suite de regarder le diagnostic. C'est un micro-trottoir que nous avons réalisé Place des Cocotiers dans les rues à Nouméa. On fait écouter aux gens la musique. On les fait reconnaître le groupe ou pas et nous dire ce qu'ils pensent. Donc si toi, Jean-Yves, tu ne sais pas vraiment comment les gens de Nouméa accueillent ta musique. On va le savoir tout de suite. Le diagnostic, s'il vous plaît, Jules. Oui, oui, je sais ce que... Ouais, c'est bien ça. Ah, mais ça va, je la connais, oui. Et dans le groupe, c'est... Oui, c'est Asset Jika. Pas mal, ouais. Oui, j'aime bien, c'est Asset Jika. Asset Jika, c'est ça. Asset Jika ? Ah ouais, il est connu. Non, je ne connaissais pas. Tu sais qu'il met tous les airs du pays dedans, Djoubea, Caponi, tout ça dedans. Je connais parce qu'il y a un an qui travaille dedans. C'est un groupe de tour, non ? Par rapport à mes frères, à mes cousins, parce qu'ils écoutent beaucoup les morceaux. Donc voilà, dans les îles, c'est plutôt renommé le morceau. J'aime bien lui, là. J'aime bien. Ah ouais, pour nous, c'est un bon morceau. Ben, parce qu'on reconnaît les Calédoniens dedans, d'une, et on est fiers d'écouter la musique locale. Quoi. Parfait. C'est pas difficile, il y a eu un sans faute. Il n'y a pas une seule personne, à part le vieux monsieur rigolo qui nous a donc envoyé sa femme, qui elle par contre t'aime beaucoup. Il n'y a pas une seule personne qui a bugué ou qui a dit non, je ne connais pas.
Voilà, quels que soient les âges, quel que soit l'endroit dans Nouméa, tout le monde connaît Asset Jika, ce qui est quand même assez formidable. Et on arrive à vous situer, on arrive même à dire les prénoms des chanteurs et tout, c'est un vrai succès pays, quoi. Carrément. Je vous propose donc de réécouter encore et toujours, parce qu'on est là pour ça, un troisième live de l'équipée à 7 Jika. Jean-Yves, un morceau t'attend, encore un autre. Alors, ça s'écrit Wunjwut, mais ça se prononce Wunjwut. C'est ça, j'ai bien dit ? J'ai bien fait ? Ouais, c'est pas fâché après moi ? Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai eu peur. Merci beaucoup, Terence. Super cool d'être venu. Je te propose de rejoindre les loges et de rester quand même avec nous. Et puis toi, Jean-Yves, c'est parti. Troisième morceau, Wunjwut. C'est le plateau de l'acoustique, mars 2015, tous les derniers samedis du mois. Voilà, bonne vibration, bonne vibes mystique, un petit peu dans la lignée de Tchada avec le titre Maripon, même succès quelques années après. C'est parti, merci. Thank you.
Joli extrait donc de ce bel album Diapason, le titre Wanjwood qui veut dire discuter tout simplement. Voilà, je vous demande d'aider Jean-Yves à nous rejoindre sur le canapé sous une salve d'applaudissements. C'était le troisième morceau du groupe A7JK. Jean-Yves, toi qui es un secrétaire hors pair, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que vous jouez très bientôt? Quels sont les prochains plans, concerts, festivals avec A7JK prévus, tu sais? Comment ça, non? Il y a trop. Ah bah non, vaut mieux trop que pas assez. Ouais, un petit peu quand même. Je crois que c'est tous les week-ends, c'est un peu sur ouvert à marée. Mais qui c'est qui te dit faut prendre l'avion? Bah, c'est les autres. Donc on t'appelle, on te dit là dans 2 heures, faut que tu sois à UVA et toi tu dis bah, ouais, je peux pas. Mais des fois j'annule, je laisse. Donc là par exemple, je sais pas moi, début avril, il y a quoi? Bah peut-être il y aura sur Bourail, je crois. Ah ouais. Faut qu'on appelle ton manager? Non, on verra quoi. Bon d'accord, c'est ça. C'est ça. Ça se mérite quoi de trouver à cette JK et de les rencontrer. En tout cas, on a quelqu'un en plateau là qui a bien mérité de te rencontrer et qui le regrette pas à mon avis. Il s'agit de Marcus Gad. Il vient de s'installer, il est sur ta droite, il est juste devant moi. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Marcus est l'invité numéro 2 de l'acoustique, voilà. Et là, son album ou son EP est entre mes mains. Voilà, je le montre à la caméra. Hop, hop, on me dit, comme ça c'est mieux. Voilà. Et ensuite, on discute un petit peu. Comment ça va, Marcus? Ça va bien. Ça y est, le micro marche bientôt? Ouais, ça marche. Alors, Marcus, ça, le public peut-être est moins, comment dirais-je, c'est moins un réflexe chez les gens de dire « Ouais, Marcus, je sais qui c'est plutôt que A7JK, normal. » Vous êtes ce qu'on appelle un groupe en voie de devenir bien connu. Marcus, en quelques mots, est-ce que tu peux nous donner ta petite bio? Tu viens d'où? Tu fais quoi? Et comment ça se fait que tu es aujourd'hui sur notre plateau? Moi je suis né ici, j'ai grandi à Nouméa, puis j'ai vite commencé à faire de la musique avec les potes pour passer le temps, et puis c'est vite devenu une passion. Après je suis parti faire mes études en France, puis là c'est là que c'est devenu plus sérieux, je me suis mis à chanter dans la rue pour gagner des sous, puis pour pouvoir voyager. J'aime bien, c'est devenu plus sérieux, j'ai chanté dans la rue, ok. Ouais. Non, et puis voilà, après j'ai... Je doute que papa et maman aient la même notion du sérieux. Au début, c'était dur. Mais non, bon. Ouais, non, du coup, ça m'a permis de voyager par la musique. Et puis voilà, c'est devenu mon truc dans la vie, on va dire. Tu fais plus que voyager, hein. Quand tu dis voyager, c'est pas je vais en France et je reviens en Calédonie. Tu connais pas mal de pays dans le monde et tu fais des gros, gros trips bien roots et bien nomades, je me trompe? Ouais, j'ai beaucoup voyagé pour l'instant, quoi. J'espère continuer. T'as quel âge, Marcus? J'ai 24 ans. Tu peux nous donner quelques pays que tu as fait? J'ai commencé par l'Inde. J'ai été 2 fois en Éthiopie. Je fais beaucoup de recherches là-bas. Là, récemment, on était en Amérique centrale avec des amis. On est resté 2 ans. On a sillonné un peu le continent. Hawaï, Fidji, sur la route du retour pour rentrer ici. D'accord. Voilà, c'est... Classique, quoi. Normal, je rigole. Tu connais bien Dimbéa aussi? Ouais, Dimbéa. À fond. T'as un petit coin de paradis là-bas qui t'appartient. Et c'est cet endroit-là justement que tu as choisi pour faire ton premier clip. On va en regarder quelques secondes. Comme ça, les gens qui nous regardent à la télé vont bien comprendre un petit peu la musique que tu fais et puis quelle est ta vibration et ton message. C'est un clip qui a été réalisé par Erwan Bournet qu'on a vu en photo il y a quelques instants. C'est parti, le clip de Marcus Gad, Don't You Know. Love and affection, in each and every one of us, it's our true complexion. Let's love in that system and in a drop of rain. Don't you see above the field there is way too much pain? Never let them get you down, no, don't go astray. Realize the illusion and liberate your way. Liberate your way. Don't you know that love is a mother? It's a big mistake not loving your brother. Carry out the end to your sister, but find a way through the storm and a thunder. Everything in life is a reminder. Never neglect a tear, no laughter. Don't you know that love is a mother? Don't you know that love is a mother? It's a big mistake not loving your brother. Carry out the end to your sister.
Voilà, Marcus Gaetz, ça vous donne une idée un petit peu de sa patte musicale. Quand on voit les trous d'eau là comme ça et la chaleur qu'il fait sur le plateau, on a juste envie de partir vite se baigner. On va s'écouter ça en live si tu veux bien, Marcus. Quelques-uns de tes musiciens se sont installés. On a Monsieur June au Caronne. Voilà, j'avais envie de faire un petit big up. Est-ce que tu peux nous présenter ton guitariste, Marcus? Le guitariste s'appelle Nicolas. Voilà, c'est ça, Nicolas, pardon. Merci Nico d'être là. June est la personne avec laquelle tu as réalisé cette galette. Voilà, on a fait tout ensemble. C'est quoi, l'ingénieur du son. On dit ton ingé son, on ne dit pas ton manager, c'est pote. Non, c'est pas mon manager. Pote et ingé son. On n'a pas de manager. Pote et ingé son. Voilà. Ben voilà, je te propose de rejoindre la scène. Jean-Yves, un tout petit mot avant d'entendre les premières notes de musique. Tu as rencontré Marcus, on expliquera tout à l'heure comment. Si tu devais le qualifier, ce serait quoi? Cool man, talentueux man. Ouais, c'est un bon mec. Hippie man. Il aime bien la musique, il est trop cool. Yes. Ouais. T'aimes bien ce qu'il fait? Oh, oui, j'aime bien. C'est vrai? Parfait. C'est beau l'amour entre les musiciens. A reminder, never neglect that thing of laughter. Don't
Il s'appelle Marcus Gad. Il a une page, lui aussi, évidemment, sur les réseaux sociaux. Je vous montre encore la couverture de ce bel EP. Hop, attention au reflet, qui s'appelle Soul Talk. Voilà, génial. Marcus, come on. Alors, ce qui est génial avec des émissions comme ça, c'est qu'il y a évidemment ce que vous voyez, les téléspectateurs, et puis il y a aussi tous les préparatifs. Et il se trouve que il y a des gros préparatifs en termes de rencontres, puisque à la fin de l'acoustique, il y a toujours une reprise, un duo entre les deux formations musicales. Et parfois, ces deux formations ne se connaissent pas, ce qui était le cas de Marcus et de Jean-Yves. Il a donc fallu les connecter, je m'en suis chargée, et après, leur bonté d'âme à chacun s'est occupée du reste. On voit des photos derrière nous, de campagne, de nature, j'oserais même dire de tribu, où vous êtes ensemble. Donc en fait, vous êtes partis en vacances ensemble, c'est ça le délire ? Marcus, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? On s'est rencontrés avec Jean-Yves à Mongreuve, quand tu nous as présenté. Et puis Jean-Yves, il a proposé que je passe chez lui pour répéter les morceaux. Carrément, les valises et tout, allez hop, on va habiter là-bas. Puis voilà, nous, on avait déjà envie de rencontrer A7JK avant, donc c'était tout bon pour nous, quoi. Ça, c'est vrai. Quand je t'ai appelé et que je t'ai dit, voilà, tu vas être sur le plateau avec A7JK, la première chose que tu m'as dit, je crois que je ne m'en mens pas, c'est « mais ça fait trop longtemps que j'ai envie de les connaître et je ne pouvais pas rêver mieux », c'est ça, ouais, hein. On écoutait l'album en boucle déjà, là, puis voilà. C'est fou, non, tu ne trouves pas ? C'est d'être réclamé comme ça, à corps et à cri. Que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. Non, pardon. Donc du coup, vous avez répété ensemble, passé du temps ensemble, mangé ensemble, peut-être pêché, je ne sais pas, vous promener ensemble. Ou qu'est-ce que vous avez fait un peu les deux fois où vous vous êtes vus à la tribu ? On a fait surtout de la musique. Puis après, on a discuté, on s'est rencontrés, quoi. On a parlé du pays, on a parlé de plein de choses. Jean-Yves, Marcus m'a dit en off, il est exigeant, Jean-Yves, il fait de la musique, mais il faut que ce soit comme ça. C'est vrai, t'es un peu comme ça, un peu... Ouais, un peu, oui. Faut que ouais. Ça sonne, quoi. Faut que ça sonne, c'est ça. Faut que ça sonne. On va pas dire ce que vous nous avez réservé pour la reprise de fin, mais du coup, est-ce qu'une fois que l'émission sera terminée, est-ce que vous avez envisagé, je sais pas moi, des petites connexions musicales ? Est-ce que vous avez prévu de jouer ensemble ? Je crois que ça vous est arrivé le week-end dernier, même de jouer ensemble, hein ? Ouais, c'était un petit concert improvisé, quoi. C'est Jean-Yves qui nous a invités à venir jouer avec eux. C'était pour la journée de la femme, c'est ça ? Ouais. Journée de la femme à Tibarama. Bah, comment on était ensemble à la maison en train de répéter. Puis on... Les femmes sont arrivées, on dit « Hey, coup de fil. Va chanter pour moi !» Et du coup, c'est parti. Et vous avez joué quoi, des morceaux de chacun d'entre vous ou... Bah, on a répété juste avant de partir. On a fait un morceau de A7JK, un morceau à moi, où on s'est accompagné. Puis après, on a fait notre reprise qu'on va vous faire ce soir là, pour s'entraîner. Ouais. Big reprise. Je vous encourage vraiment à rester jusqu'à la fin de cette émission. Vous allez voir, il y a un vrai cadeau musical qui vous attend. On me fait signe qu'il faut arrêter de parler. Oui, j'arrête de parler. Et je renvoie Marcus sur le plateau pour un deuxième titre, le titre Grow, qui est le titre numéro 1 de l'album. Juste pour revenir à Don't You Know, ça veut dire tu ne sais pas ? Don't You Know, ça veut dire ne sais-tu pas. Ouais. C'est une chanson qui parle d'amour, c'est une chanson d'amour. Mais c'est une chanson d'amour. Universel, on va dire. Peace pour toutes les and choses. Love and Rasta Liberty. Et grow, grandir, pousser. Grow, ouais, grandir, pousser, quoi. Comme ? Comme les arbres. Très bien, c'est parti. Grow, extrait de l'EP Soul Talk, voilà. Toujours l'acoustique avec des musiciens plutôt cool et des musiques cool et surtout un mot d'ordre consciousness, j'aime bien ce mot-là. Des musiciens conscients qui ont des choses à dire, voilà, on chante jamais vraiment pour rien. Say we are fi grow.
Africa branches and spread seeds. Oh man, I say grow, grow, grow. We have to grow like the trees, raise our branches and spread seeds. Say we have to grow by the rivers, our water to quench our man thirst. Say grow by the rivers, our water to quench our man. Living my life close to earth is your only ambition. Said I am not of those who worship competition. Why you want feed off all our worldly possessions? When food there and our water your only obligation. When you could be living a life of creation, which you have been given for realization. Johnny wicked man and the congregation, I love your brother man, with your sister sing the same chant. I and I are chant and I pray for the youth to know. I and I are chant and I pray for the youth to grow. Say grow, grow, grow. We are free grow like the trees, raise our branches and spread seeds. Oh man, I say grow, grow, grow. We are free grow like the trees, raise our branches and spread seeds. Say we are feet grow by the rivers, our water to quench our man thirst. Grow by the rivers, our water to quench our man thirst. I wanna sing out my love to Mother Nature. She's the one who teach me, the one who nurture. We should live our lives protected, treasure, getting what we need from the womb of the mother. Make sure that we part our needs from desires. If it is harmed to her, it's not worth the pleasure. You know the laws of right and wrong, it is written in every single little cell of your human system. You know the laws of right and wrong, it is written in every single little cell of your human system. Wash your spirit clean and your consciousness clear. Cause if you love Jah, well he shall always be near to give you love back and liberate you from the fear. You are but a seed that has found from a tree. Who knows what you will be and what it is that you will see. You are infinity of endless possibilities. You are anything you allow yourself to. You are infinity of endless possibilities. You are anything you allow yourself to be free. Oh, to be free. Oh, so you can grow, grow, grow. We are free, grow like the trees, raise our branches and spread seeds. Oh, man, I say grow, grow, grow. Say we are free. Grow, oh man, I say grow, grow,
Grow, en anglais, qui signifie pousser, grandir, comme les arbres ou encore comme le talent de ces jeunes gens. Voilà, Marcus Gad, accompagné de ses musiciens. Et Marcus, je suis en train de te regarder depuis tout à l'heure. En fait, t'es coiffé comme moi, quoi. Tu me copies, quoi. Je te vois bien. Viens ici. Viens montrer comment tu copies les cheveux. Ça va pas du tout, en fait. Il est de coutume dans l'acoustique de demander à l'invité numéro 1, en l'occurrence le leader du groupe d'Assadjika, de choisir un invité, l'invité de l'invité, quelqu'un qui chante, quelqu'un qui a besoin d'aide ou quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide mais qu'on a envie d'entendre. Et tu m'as proposé Bwanjep. Nous avons donc vraiment le gros privilège et le vrai plaisir d'accueillir l'invité de l'invité. Monsieur Gilbertin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix ? Jean-Yves, pourquoi tu avais vraiment envie de Gilbert sur le plateau ? Parce que Gilbert, c'est, je crois que c'est un ancien du Kaneka. Oui. C'est le premier groupe qui sort du Kaneka. Je préfère faire venir Gilbert comme il est. Et il raconte un peu ce que c'est le Kaneka, comme c'est qu'il a commencé. Quoi. Les vrais reconnaissent les vrais, c'est ça ? Ouais. Alors là, c'est plutôt Otmawap, c'est ça ? Ouais. Carrément. Là, aujourd'hui, nous avons Gilbert seul avec sa guitare. Il nous interprète un titre qui s'appelle Loulou. Applaudissez-le bien, fort, s'il vous plaît. Nous avons transformé les Bwanjep en battements de mains. Je ne sais pas si on était aussi juste. Gilbert, applaudissez-le bien fort, évidemment. Venez nous rejoindre sur le canapé. Même pas en rêve, on vous fait tourner en loge. Marcus et Gilbert, bonjour. Marcus et Jean-Yves, bonjour. Et nous, on s'est vus, bien évidemment. Mais c'est bien aussi. Attention, parce que moi, je pleure facilement d'émotion. Hein. Alors j'ai juste une question à poser à Gilbert et puis après on démarre l'interview sympathique, il faut qu'on se dépêche. Gilbert, tu dis souvent dans les interviews, enfin vous dites souvent dans les interviews que vous préservez au maximum la musique, le Kaneka en conservant les instruments traditionnels de peur de voir prendre trop de place, ce que vous appelez le Kaneka commercial, on est d'accord ? À cette JK, pour vous, on est dans du Kaneka qui conserve les valeurs, on est dans du Kaneka qui se commercialise pour faire plaisir aux nouvelles générations, c'est comment ?
ACJK, dans la texture de Jean-Yves, va complètement et correctement. Maintenant, la question, elle est posée à moi, made in Gilbert. Je dis qu'avec la voix de Jean-Yves, ça va très bien. Maintenant, son groupe, moi, j'ai le CD, je l'ai écouté juste comme il faut. Il ne faut pas trop exagérer, il faut juste le consommer suffisamment. Et j'ai bien apprécié, c'est la voix de Jean-Yves qui fait les 90% du succès de son son. Et c'est pour ça que je me suis permis de répondre à cette question, parce que je retrouve dans sa voix quelque chose qui peut relever. Avec le son des battoirs, le chant sur les aires coutumières, il suffit de rajouter une deuxième voix. Je ne sais pas, on peut retravailler différemment, mais là, il y a une magie qui, avec sa voix qui fait qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Hé, hey, joli ça. Rien à dire, tout est dit. Moi, je parlais de voix mystique. Vous, Gilbert, vous parlez de voix magique. C'est exactement ça. Merci pour ce témoignage. Vous avez le CD de ACJK. Moi, je vous offre celui de Marcus. Marcus, tu me permets ? Marcus Bonjep, Connexion. Merci, Marcus. Tchac. Voilà. Alors là, on va sortir des sentiers magiques de la musique et puis s'intéresser à l'actualité internationale qui est certes beaucoup moins sexy, hein, faut le dire. C'est l'interview sympathique. Vanuatu, le cyclone PAM, la mobilisation des Calédoniens et du reste du monde pour réapprovisionner vite les Nivat en nourriture, en habits, en tout ce qu'on veut. Est-ce que vous avez un petit mot à dire dessus ? Est-ce que vous avez regardé les images ? Est-ce que vous faites partie des gens qui se sont mobilisés ? Est-ce que vous avez le temps ? Est-ce que pour vous c'est un coup de fatalité ? Gilbert ? Moi je vais surtout me prononcer sur personnellement, ce qui m'inquiète, c'est la générosité des Calédoniens. Bravo. Des tonnes et des tonnes d'aide qui va là-bas. Ce qui m'inquiète là-bas, c'est la répartition. Parce que ce sont des îles. Et je souhaite beaucoup de tout mon cœur pour que la répartition soit fraternelle et équitable. Dans le juste besoin de chacun. Et que ça ne soit pas fait autrement. C'est ça. Je crois que l'Alliance française se charge justement d'éviter ce type d'angoisse. Jean-Yves, le Vanuatu, le cyclone, tout ça, on a cru qu'il allait frôler la Calédonie, voire taper dedans. Il a tapé les voisins, c'est pas pour ça qu'on est plus heureux d'ailleurs. Est-ce que toi, tu as eu peur un petit peu ? Est-ce que c'est la météo comme ça, ça t'affole un peu ? Ouais, je crois que c'est comme tous les cyclones qui passent un peu partout dans le monde. On voit maintenant en Afrique ou en Amérique, il y a toujours des décennies qui arrivent comme ça. Et là, c'est Vanuatu, c'est un peu trop pour nous, comme il est collé un peu ici, là, sur le Pacifique. Et je pense à ces gens-là, au Vanuatu. Il y a des autres qui sont ici en Calédonie aussi. Ben, il faut les aider beaucoup. Quoi. Voilà. Ok, merci. Deuxième image, s'il vous plaît, en régie. Ah. Une couverture du Chien Bleu en janvier. C'est l'artiste Fly qui a écrit ça. Aux racistes, aux extrémistes, aux loyalistes, aux révolutionnaires, aux français, cow-boys, anti-oreilles, bourrez-vous, ça fera des métis. C'était une façon un petit peu de dire, bon allez, tout le monde va bien et peut-être qu'un jour on arrivera à faire ça bien. Je vois là la ride du lion qui arrive au milieu du front de Jean-Yves, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une façon pour nous de vous demander vos résolutions 2015. Est-ce que vous en faites pour rigoler quand vous fêtez le réveillon, genre j'arrête de fumer, j'arrête de critiquer ? Gilbert ? Un sac complètement bourré sert à quelque chose. Ça dépend du contenu que l'on met dedans. Voilà. C'est tout à fait ça. Okay. Pour essayer de dédramatiser cette situation, c'est pas méchant. Et c'est juste un mot pour le métissage, si vous permettez. On y va. Le métissage n'est pas un handicap. C'est le cœur qui compte. Et quand le cœur est juste, on se reconnaît. C'est juste une histoire d'amour entre un papa et une maman. Qui donne quelque chose de beau, point barre, où que ce soit et où que ça se passe. Jean-Yves, résolution 2015 ? Je crois que
tiens, viens de dire, voilà. Donc vous voulez vous métisser encore? C'est ça les résolutions? Ne jamais arrêter d'aller se coucher. Et toi, Marcus? Ben oui, moi je pense que c'est l'avenir du pays, le métissage, puis c'est l'avenir du monde entier. On n'a plus trop le choix maintenant, où qu'on soit sur la terre, obligé de se métisser. C'est joliment dit. Mais comment résister? Très bien. Troisième image. L'épisode Charlie Hebdo. Bon, on a bien vécu la chose en janvier, février, mars. Est-ce que ça vous a révolté? Est-ce que ça vous a laissé froid? Est-ce que la liberté de la presse ou pas? Bon, Marcus. Bah, moi, je pense, enfin, comme tout le monde, j'ai été un petit peu choqué au début par la nouvelle, parce que la violence, ça choque forcément à chaque fois. Mais après, j'ai trouvé que tout ce qui avait été fait derrière cette histoire de Charlie Hebdo, c'était peut-être un petit peu trop par rapport à ce que ça a été. Il y a des choses qui se font partout dans le monde qui sont tout aussi mauvaises, quoi. En Papouasie, il se passe des choses terribles. Il y a plein au Moyen-Orient, il se passe des choses terribles. Et puis, on se révolte pas nécessairement contre ça. Donc là, c'est vrai que c'est la liberté d'expression qui a été touchée, mais il y a la liberté de millions de personnes qui est touchée partout. Et il n'y a personne qui se bouge jamais. Mais là, on nous le fout partout dans les médias et tout le monde se révolte. Jean-Yves, toi? Je vois que la liberté d'expression, Charlie Hebdo. Moi, je pense que non. Non quoi? J'en sais rien de ça. Rien n'est pardonné? Non, t'as pas envie d'en parler. Mmh. Point barre. Autre image, si on a encore un petit peu de temps, j'espère. Ah, alors là, c'est un peu plus récent. Le fameux crash d'hélicoptère pendant le tournage de l'émission qui a donc supprimé la vie de nageuses, de sportifs, etc. Jean-Yves, tu vois ce que c'est? Non, pas du tout. Non. Très bien, je vois que tu regardes souvent la télé. Hein. Non. Non. J'ai pas de télé. Ah bah c'est parfait. Ou la radio non plus? Pas du tout. Pas du tout. Mmh. Ok. Marcus, t'as entendu parler de cette histoire, oui? J'ai bien peur de ne pas être au courant. Très bien. Et vous, Gilbert? Moi, j'ai suivi aussi. Ah oui, moi, 19h30, je suis devant la télé tous les jours. Nadine? Mais c'est parce que, voilà, ça c'est en plus grave, mais c'est comme Fort Boyard. On prend des champions et puis on les fait jouer des jeux qui sont... Moi, je sais pas trop ça sert à quoi. Ils sont suffisamment connus dans leur discipline. Ils sont des champions quand même. Ils veulent être encore super champions. Et là, le geste, si on s'en vient au moindre petit détail de l'enquête, c'est juste l'avion du bas qui n'a pas regardé dans le rétroviseur. Je ne sais pas comment ça se passe. Il est monté et il a touché l'avion au-dessus. Au-dessus, normal. Tout, voilà. C'est le destin, pour faciliter les réponses. Super, merci beaucoup Gilbert pour ces touches d'humour et de connaissances. Et merci Marcus et Jean-Yves aussi de nous dire ce que vous pensez avec tout le naturel qui va avec. Allez, on retourne à la musique un petit peu, il nous reste un live à écouter avant de vous retrouver tous ensemble pour la reprise. C'est Marcus qui s'y colle, c'est en troisième, Soul Talk, qu'on appelle ça titre éponyme de l'EP, c'est-à-dire le même titre que le nom de l'album. Je t'invite à rejoindre ton plateau, merci Marcus. L'acoustique, voilà, nous sommes samedi. C'est ce qu'on appelle une émission de prime time. J'espère que vous êtes nombreux à nous regarder, j'espère qu'on vous fait plaisir. This is to our mighty Father, Son. Hey, let the sun talk, let them guide me, let them make me clock, I soul talk. Put my reason down upon the rock, I sun talk. Let them guide me, let them make me clock, I soul talk. Put my reason firmly down upon the rock, hey. Put my reason firmly down upon the rock, hey. Put my reason firmly down upon the rock, hey. Put my reason firmly down upon the rock. Say at the source of all things, that the reason man life, for the sun is the king. Providing man light, rise up in the morning and shine so bright. Wake our spirit and actions and end by night. Rise and shine after dreamy nights and see the
first rays of light. Rise up, you know, the morning bright, and taking a first breath of life. Feel the flow of a light come a rushing on your spine, from the root of our life to your very third eye. Focus on your breath, it's your key to go inside. Get ready to make this day one where you realize all the truth you've got inside. Hey. So let the sun talk, let him guide me, let him hear me clock, I soul talk. My reason down upon the rock, I sun talk. Let them guide me, let them hear me clock, I soul talk. Put my reason for me down upon the rock. Hey, put my reason for me down upon the rock. Hey, this is I owe to Jah Mighty Father Son. Blessings I owe. This is I owe. The plant is the root of all life for humanity, giving man everything that he need in a liberty. Clothing, shelter, food to fill the belly, medicine and meditation, fear I spiritually. Sun is the light for this plant to grow. There is nothing you must know more than nature can show. Love is the light for your soul to grow. Tune your heart to the ever-giving open flow. And let your soul talk. Let them guide you, let them be your clock, I sun talk. Put my reason down upon the rock, I soul talk. Let them guide me, let them be me clock, I sun talk. Put my reason for me down upon the rock. Hey, put my reason for me down upon the rock. Hey, this is I owe to Jah Mighty Father Son. Blessings I owe. This is I owe. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Talk, voilà, live numéro 3 pour Marcus Tisgad, Nicolas et June, ensemble, voilà. Marcus est invité à rejoindre de nouveau le canapé, mais cette fois-ci à côté de Jean-Yves, parce que nous allons vous soumettre à un petit jeu encore rigolo, afin que les téléspectateurs puissent un peu participer avec nous. On appelle ça un blind test, ça existe depuis des siècles et des siècles. Et voilà, on s'est arraché les cheveux avec le patron pour choisir 5 bonnes musiques. Voilà, et puis finalement on va en écouter que 4 vu le temps, mais ça suffira bien pour voir à peu près si vous en écoutez ou pas à la maison. Je vous propose le premier morceau, c'est parti, est-ce qu'on l'entend dans l'atmosphère ? Tous enfermés dans la routine pour les sourds, visage maquillé, cheveux bien lissés, m'a déféqué dans l'eau, a déféqué dans l'eau, mais qui dans c'est local, c'est un morceau local, il dit son prénom. Cette voix là, Jean-Yves. Je vais la mettre le M7, la peinture d'eau qui va avec le Sicilien, les gens. Tu connais Marcus ? Ouais, je connais. Allez, vas-y. C'est Kidam. C'est Kidam, yes, avec son titre L'usine. Aïe, 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 aïe. Petit mot sur Kidam, Marcus ? Petit mot sur Kidam ? Petit mot sur Kidam, bah, moi j'aime beaucoup ses textes. J'aime beaucoup dès que les gens viennent parler de quelque chose de conscient, quoi, qui est en rapport avec les problèmes qu'on rencontre tous les jours. J'aime bien ses réflexions par rapport au pays. Ouais. On l'a en photo, voilà Kidam, que l'on réclame à corps et à cri sur l'acoustique. Viens Kidam. Tu connais bien Jean-Yves ou pas trop ? Pas trop. Jamais entendu ? Kidam ? Si. Le morceau, le fameux morceau Kanaki Yesai, tu sais, avec les drifts en voiture et tout, tu vois ce que c'est ? Non ? Oh, mais toi tu vis au paradis, hein ? On peut repartir avec toi après ? Ouais. Allez, trop de la chance. Deuxième morceau. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Mais si Jean-Yves arrête. Because a vision softly creeping. Ça c'est pas local, hein, c'est international. While I was sleeping, and the le public, non ? That was planted in my ouais, brain, vous connaissez ? Still remains, ouais. Within the sound of silence. Simon & Garfunkel.
Toi, hippie, tu connais pas? Non, je suis pas un hippie, moi. Ah, je rigole, Marcus, je t'embête. Simon & Garfunkel, non? Non. Bon, voilà. Heureusement, mon patron voulait vous coller la dernière phase B du premier album de David Bowie. On l'a échappé belle. Troisième morceau. Tu connais Jean-Yves? Tu connais? Allez Jean-Yves. C'était Kanja. Ouais, il a trouvé! C'est Marcus qui a soufflé ou tu sais? Tu connais Tikenja? Alors, comment tu connais Tikenja? Ben, je le vois toujours à la télé, puis j'ai été manger. Tu regardes la télé, tu vois, tu dis. Je le sais. Marcus, t'aimes bien Tikenja? Ah ouais, grand respect pour Tikenja. C'est vrai? Ouais. Ah, ok. Quatrième morceau et ce sera le dernier. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Qu'est-ce que c'est? Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mais une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Bon, clairement, même s'il connaît, je vois que ça vous fait pas... vous transpirez pas de bonheur en écoutant ça, quoi. Marcus, tu connais? J'ai entendu l'air sans doute à la radio, mais je sais pas. Le chanteur, tu t'identifies pas? Non. Et peut-être toi, si j'entends Jean-Yves? Le nom, sans doute. Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Ah ouais, même lui, là? Stromae? Tu connais pas Stromae? Oh, il habite vraiment au paradis, hein? Marcus, Stromae, t'en penses quoi? Bah ouais, forcément, j'ai entendu le nom, quoi, mais je... Je connais pas. Jamais entendu Formidable, la chanson Formidable, tout ça? Ah si, si, si. Bah si. Voilà, c'est ah, lui. Si. Ah ça, c'est bien Formidable. Mais tous les mêmes, non. Rendez-vous, rendez-vous, ça passe pas bien ça. Ok. Vous pouvez les applaudir, c'était le Blind Test. Rigolo! Et nous arrivons à la fin de cette émission, malheureusement. Voilà, après, nous, on les garde en off pour encore plus discuter avec eux. Mais pour la musique, ce sera le dernier morceau maintenant. C'est la fameuse reprise, la fameuse cover qu'on vous demande de potasser avant d'entrer sur scène, voire bien avant. C'est grâce à cette reprise que la connexion s'est bien faite et qui, j'espère, va durer. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous allez nous interpréter ou en tout cas le dire aux téléspectateurs? Moi, je sais. Jean-Yves, Marcus. Le morceau, c'est Creedence. Oui, voilà, on va faire une reprise de Creedence, mais c'est un petit medley qu'on a préparé, en fait. Creedence, Clearwater Revival. Voilà. Ça, les Calédoniens, ils aiment. Et le morceau s'appelle Cottonfield. Le morceau s'appelle Cottonfields et on finit sur... c'est un medley, en fait, avec un négro spirituel qui s'appelle Freedom. Le négro spirituel, c'est des chansons sans auteur, c'est les chansons qui ont été écrites pendant l'esclavage. Écoutez bien le morceau qui va suivre, vous allez reconnaître le Creedence, vous allez peut-être reconnaître le négro spirituel et puis surtout, vous allez prendre un pied pas possible à écouter différentes langues, je crois, sur ce morceau et pas des moindres. C'est parti. Jean-Yves, Marcus, vous rejoignez les musiciens qui eux aussi se sont mélangés. Ça c'est, voilà, big respect pour ça. Vous allez entendre un petit peu, nous on s'est entendu ça tout à l'heure dans les répètes, lorsque les maquillages étaient en place et lorsque voilà tous les fils étaient en train de se tendre, les enceintes, les micros, et on avait des frissons à quelques mètres déjà de la scène. C'est la reprise de l'acoustique. Je vous rappelle que tous ces morceaux sont ensuite sur la page YouTube et Facebook de l'acoustique, vous pouvez le faire tourner, et ce sont toujours des grands moments de musique du pays, avec les gens du pays, rien que pour vous. On y va. When I was just a baby, baby, my mama would have rocked me in the cradle. In them, oh,
Moi, je me faufile entre vous, où l'art de rendre les gens heureux avec ce morceau qui devrait, les garçons, faire l'objet d'un titre à la radio, c'est certain. Il est juste génial. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Marcus, merci à Sejika, merci à notre public extraordinaire, sa patience, vos sourires. Merci aux enfants qui sont derrière les caméras. Merci aux techniciens d'NC Première. L'acoustique, c'est reparti pour une année. Voilà, une par mois, tous les derniers samedis du mois à 20h. C'est grâce à vous si on existe encore et on vous promet, on va faire du bon boulot encore avec vous cette année. Merci. Voilà, à chaque fin d'émission, on est toujours très émus. Voilà, beaucoup d'humilité devant ce parterre de musiciens prestigieux. Et merci à Gilbertin de Bonjep. Voilà, bonne soirée à vous. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Bye bye, à bientôt soldats.